Bonjour à tous et bienvenue à A Game of Commander numéro 16. Pas prévu à l'horaire, quelque chose comme je les adore, les gars. Et notre live de 12 heures, vous avez vu le cinquième match. Comme on dit, on veut se faire un rematch. J'ai dit parfait, on starte les caméras, puis on filme ça. Ben voici la revanche, le rematch de notre match numéro 5 de notre 12 heures. Adam. Encore avec Rakdos, Lord of Riot. Cette fois-ci, débute avec Sulphurous Spring, Démonic Tutor, Mana Vault, Thermo Alchemist, Mountain, Dragon Skull, Summit, pardon, et un Plague Drone. Ensuite, on continue avec Alex qui joue Yuriko, Tiger's Shadow. On commence avec Arcane Signet, Nexus of Fate, Reliquary Tower, Swamp, Sunken Hollow, Morphic Pool et Ornithopter. On a Ben qui a mulliganné deux fois par contre avec Ovika, Enigma, Goliath, petite main de 5 cartes, Gamble, Teferi's, Ageless Insight, Narset Partner, Avails, une île et une montagne. Et finalement, Loïc qui joue Stang, Echo Warrior, commence avec deux montagnes, Rune of Speed, Common Tower, Stomping Ground, Kenrith's Transformation et Beauséjour ou Anger. Si vous n'avez pas vu le premier match de cette partie-là, le premier match, les opposants, c'est 5 commandants, c'est 4 commandants-là, pardon. Allez voir le match numéro 5, allons-y comme ça. 4 commandants, match numéro 5 de notre live, notre dernier live de 12 heures. Le lien est dans la description de la vidéo. Moi, sur ce, je vous souhaite un excellent match. Bonne game. Fait qu'on va une game. À partir. Ouais. Action. Je vais montagne. Je vais taper. Je vais jouer. Déjà, il c'est simple. C'est comme main. C'est fin de tour. Qu'est-ce qu'il dit? On va vous garder, je suis là. Ben, je peux pas, je suis calme. Londres. Terrain. Je vais perdre pas rien pendant tout. Je vais caster. Hein? Mana Vault. C'est juste le game là. Pas assez tôt. Comment ça recule? Ma main est lente. Je joue Mana Vault. J'ai dit que je jouais rien avant courant. Ça dit là. Oui, c'est ça. D'accord. Là, avant, il affichait là. Non, non, c'est le chat. Ça. Je vais jouer un Sunken Hollow, puis il va rentrer de tape. Parce que je contrôle pas. Non. Puis, je vais jouer un. En étape terre. C'est clean. Tour. Je vais piocher une carte. Je vais jouer une île. Je vais jouer un gamble. C'est ça que t'es dit à toi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je me suis rendu compte que ce ring, ça coûtait un. Oui, c'est vrai. Mais là, ah, tu vas aller chercher ton soirée. Ouais. Tu aurais pu aller chercher Mana Crypt. Je l'ai pas dans ce deck-là parce que, comme dit, il y a très longtemps pour YouTube, je suis étudiant. J'en ai juste un. Mais là, t'as dit pas ce deck-là. Ouais, j'en ai juste un. Ouais, mais. T'en as un legit? Ouais. Autorise-toi le droit de copier-coller. Copier-coller. Tu peux toujours déplacer ta vraie de deck en deck quand tu joues, d'où l'existence des proxys. Oui. Je sais pas. Oui. Moi, je suis le même. J'ai de la misère à jouer avec une carte que je ne possède pas. Mais le jour j'en ai une vraie, je peux la mettre dans toutes mes decks, ça me dérange. La fois que j'ai essayé le site Kadam m'a conseillé de faire des proxys, mon cerveau a explosé. C'est pas facile la première fois. C'est ça, je me suis mais dit. Après 4 heures. Finalement, je suis pense que je vais juste t'envoyer une liste. Tu vas m'envoyer en facture, ça va, ok? Merci, Adam. yes, ça. Price, il y a tellement de artwork différent. Moi, c'est pas ça. J'arrive à trouver les artworks. Et là, j'arrive, je suis les consignes. Dis-donc, ils sont le switch. Ok. J'ai jamais compris à partir de là. Bon, okay. Bon, discarde-nous ce que tu es allé chercher. Okay. Les odds sont de ton bord. Tu as commencé à 2 cartes de moins. Alors? Ça, là, ici. On vient de discarter un. Fast and Fly. C'est pas très grave. C'est dans le cimetière, pour être honnête. C'est le fun. Ouais, c'est plein. Et ça le ring. Tu l'aimes par le monde, gars. Check-les qui a mis le mauvais. Ah non.
C'est parce qu'il y a plusieurs rings dans base de données. C'est ça, puis c'est le hard. C'est le hard. C'est hard que Mathieu je pense qu'il y a quelques petites erreurs dans mes choix d'or. Je fais ça un peu vite pour être top. J'ai plus de temps pour le faire. Moi, je devais partir comme 10 minutes après en camping. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a l'air pire que ça. Je vais jouer singe. Je vais Money jouer... Monkey. Un démon. Lui, ce qu'il fait, c'est que c'est un 2-2 flying. 3-3 flying. Si jamais un adversaire gagne la vie, à la place, il perd that money life. Rien de grave, vous avez tout constaté. Mon achat, passe. Avant, il ne peut pas attaquer. Il fait des trésors. Non, ouais, ça, il aurait fallu que je paye deux. Puis c'est le dash. Je pense que lui, il était là pour le faire payer à lui. Oui, merci, Luc. Manavolt a déjà servi par elle. Oui, ben il faut s'en servir vite parce que sinon on la perd et elle n'a rien fait. La dernière fois, elle a été victime d'un no-co. Encore des tapis. C'est plus... Deux laines. Passe à toi. C'est pas la même game que là. C'est beaucoup plus compétitif. J'ai pas de mana. Je vais mettre un Morphic, vu que il y a plus que deux opponents. On va se faire une jet de CC sur la place. Moi qui m'attaque pas, c'est Chum. Parlant de ça. Ben, moi, j'ai envie de voir un Chum d'attaqueur. Mais c'est pas grave, c'est juste zéro. C'est zéro, mais je vais payer deux, puis je vais aller. Oh non, en fait, c'était un Yuriko sauvage. Un Yuriko sauvage apparaît. Regarde, Yuriko. On perd zéro. Hey! Hey! On joue pas dans ce game-là. Moi, je propose qu'on enlève. On est top terre. Je te propose que t'enlèves toutes les laines de ton deck pour avoir que des gros TNT. Ça va être une fin de tour. La reveal, tu la remets dessus. Hein. La quoi? La reveal, là. Tu la remets là. Non, dans la main. Dans sa main. Parce que Yuriko, ils se sont dit, tant qu'à perdre, tu vas dans le vintage, on va faire tout le monde perdre 15. Oui, c'est j'adore ma game parce que fin de tour. Oh, manque un land drop, je crois. Ça fait mal, j'en vais à 5 dans un mauvais deck. Je vais perdre une vie pour la vôtre. Il a déjà mis son. Mettre un land fucké qui rentre en jeu, tapé à moins que je suis en train de. Que j'ai une swamp ou une montagne. Mais comme tu vois, j'ai toujours c'est pas la mana pour caster mon commander. Hein. C'est bon des check lands dedans. C'est très bon des check lands. Combat. Le singe, je s'ennuie de toi. Ton meilleur rallye. Puis toi, un petit coup de 3. Ah, que c'est une belle carton, ça. Une belle carton? Une belle carton. Marche-toi? Oui. Deux. Ça, c'est exilé. Ça, c'est dans le mot. Il a été exilé? Ah, c'est... Il est exilé, mais je pourrais le caster. Fait que je me fais un trésor. Mais là, la question, c'est est-ce que je casse mon commander ou ce tapeur-là? Je pense que je vais quand même caster mon commander avec le trésor. Puis, caster. Manachat. Manachat, tu es quand même beaucoup moins triste que moi, pour être honnête. Oui, mais moi, c'est un deck de ramp. Moi, c'est un deck de j'aimerais jouer. C'est pas qu'elle est triste. Avoir une mana de plus, j'aurais gasté. Ça, t'aurais pas tout perdu. Et oui, et là, je pige. C'est un beau elk. Mais que t'es une plaie. Excusez. Une plaie que tu es. Ça sera pas la même game. La dernière fois que t'es venu, ça va être un peu longtemps pourtant. Ça sera pas la même game que tant. Moi, mais j'avais quelque chose de pire. Ta carte. Ouais, faut que tu piges une carte. En plus, on pige avec ça. Ouais, c'est fou de même cette affaire-là. Moi, je l'ai mis dans le deck juste pour sa première habileté, pas pour la pique. C'est un dos, c'est ouais. Bien. Ouais. J'aurais aimé avoir quand même le Wild Grow en plus.
Il fait 3 dommages à la dette. Ouais, mais il est attrapé. C'est pas grave, on prend de l'avance. Je veux dire, c'est la latence. Si je le vaux maintenant, c'est la latence. Je pense que ça va être mon objectif de la game parce qu'espérer plus, c'est 23 optimistes. Je vais aller en phase d'attaque. Tu pètes les enchantements? Moi, je suis gentil, gars. Ouais. J'ai zéro pète enchantement. Je vais t'envoyer Yuriko pour 1. Je vais déclarer un bloc. Non, pas toi. Toi, je t'envoie un hélicoptère. Un Flying 02. Ben, je vois pas de bloquer si t'es en hélicoptère. Sur le non-bloc, je vais taper 2 mana. Puis je vais ninjutsu le Walker of Secret Ways. Quand il fait des combat damage à un player, je peux look à sa haine. Fait que. Oh! Look ta main. Tu veux ta haine? C'est une déception, genre. On est tous dans le fond, là. Son défaut à lui, c'est qu'il devient une 3-3, pas d'habileté, mais il n'est pas indestructible comme la 0-1. Non. Fait que toi, tu vas attaquer avec jusqu'à temps qu'on soit écœuré que base. Parfait. Toujours passé. Deux triggers Yuriko. Un bon temps là, avant que ça commence à premier trigger Yuriko. Un lap. Un lap. Deux lap. Décidément. Aïe, aïe, aïe. T'as-tu le seul en fait, t'en es que Landfall. Je vais rejouer mon Ornithopter. C'est le faux ornithopter. Depuis le début, c'est pas un vrai ornithopter. Puis, je vais discard Ensei, je vais discarder en soi. À la fin du tour, je vais taper pour 4. Ça arrive à mon tour. Oh! Len! Il est tard. Je peux jouer de quoi? Je vais peigner 4, je vais être. Oui. Excusez-moi. Defreeze et Jess Ensei. C'est bien ça. Si je vais plus piger une carte. Autre que la première que je pige pendant Draw Step, je en pige 2 à plat. J'ai un Legendary enchantement, fait que c'est pas le fun à copier non plus. C'est le fin de tour. Et puis avant, je peux mettre full screen. Ouais, le dans le dans OBS, on. Je m'en rappelle plus comment faire ça. On la voit, c'est plus mes yeux là. Une lande. J'ai un lande. On a un petit peu beaucoup en main. Ça te fait. Surprise, j'ai joué une fois. Mais sa main, t'as-tu bien violent? Il se rend sa chat, infinite. Un tutor. Ah, c'est Adam. Attends, d'accord. Le problème, c'est que c'est pas que des tutors. Star, puis peut pas rien ramener de son grave. Je peux pas rien ramener mon grave. Ça. Après ça, je fais quoi? Rien. On va regarder voir c'est quoi nos options. Frapper sur le matin là depuis toute la journée pour le jeu. Ça, c'est à vous, je vais en avoir une demain, à un moment donné. Et ça va être séparé. Ça va être. Dans la chambre. Ouais. Je veux voir la prochaine carte de ta ligne. Oh, c'est ça t'es horrible, Anna. J'adore comment les Savannah Lion ont. Ça que ça soit une. Là, tu peux-tu la faire? Non, là, je peux pas. J'adore. Non, c'est ça. Ce que j'aime, c'est que les Savannah Lion ont évolué c'est en rouge. Surtout pour moi, ça. Prochaine créature, ta-ta-ta. PX, 3X. Non, ouais, ça, c'est bon, on attend autre chose. Là, je vous. Personne. Veux-tu être quelqu'un de trésor avant? Non, je vais être plus rapide que toi, mais je vais pas lui donner un beau foil, je vais lui donner un MH2 pas foil. Parce que son. Son il n'a pas le foil. J'ai pas le foil. Il n'a pas le foil. Il est chanceux, il n'y a pas de carte uniquement foil. Ah ben, si tu goûtes, il y a un extra turn qui est uniquement foil. Avec ce fait. Tu serais dû pas être imprimé, lui. Ben, s'il n'est pas imprimé en Commander Master, je suis surpris. Ben là, il imprime le extra turn de Tree Kingdom. Je ne penserais pas qu'il réimprime aussi le Nexus dans le même site. Ah, ça serait une belle place pour imprimer. Commander Master, t'as-tu vu Nexus of Fate dans Commander abusé? Oui.
C'est une forme limitée. Dans les decks études au complet, l'artiste comme vous, des fois, il est joué. Peu importe. Quatrième tour. Quatrième land. Wow. Regardez le quatrième tour. Quatrième land. J'espère avoir un land. Là, t'attaques avec lui pour utiliser des habiletés ninjutsu. Mais c'est parce que c'est quoi, si elle a l'attaque, elle peut le faire aussi? Oh ouais. C'est juste que elle, c'est une flying 02. Fait que c'est plus facile, tu as plus de chances de passer. C'est quand elle passe que tu peux faire. Ouais, c'est ça, quand que... Si elle est pas bloquée, tu peux faire un ouais, quand t'es bloqué. Après ça, elle me rebondit dans la main, c'est qu'elle coûte 0 à remettre. Fait que c'est ouais. Comme un facile à... À C'est celle-là que je cherchais. Je n'ai pas trouvé. Ben, je vais la mettre dans son livre. Ben, HP, j'en fous. Mais l'as-tu normal? Ou... Ah, je cherchais son nom vite parce que quand on faisait le deck pour Moxfield, j'étais pas mal de deadline moi, pour mettre live. Alors, en phase d'attaque, je vais attaquer Ben de 2. Et Adam de 0. Ah, ouais. Oh, t'as ta flying, toi, c'est vrai que t'as trop de flying. J'ai l'impression que je vais avoir mal. Oh, je sais juste, Torpin, il y a encore des laines, là. Je peux pas te dire pour t'assurer. Moi, je trouve ça correct. Moi, je suis bien correct avec les laines. On peut juste aller avec les deux 1-1. En deux? Ouais, deux, fait que deux triggers Yuriko. Premier, un tas de vaisselle. On perd deux. Ouais. Perd des deux. Deuxième, extra tour, épiphanie. On perd des 7. Ah, regarde donc. Ça fait plus mal, là. Ouais, ça, ça commence à. Je vais taper deux. Second main phase. Je vais time mettre walk. Un tas de vaisselle. Pas un time wall. Et c'est je vais taper un, deux. Je vais mettre un arcane snip. Ah, ça fait plus que je l'ai ça, Yuriko. Ouais, c'est pas pour rien que c'est ouais, ça compte pas pour le draw. Mais je peux mais avoir non, des cartes. Quand tu mets ton jour de la rue, tu manges pas de dégâts à chaque fois que tu te remplis. Tu lui tu put an end. Bon, hey, je suis vraiment désolé si ça vous aide pas, mais c'est parce que c'est la seule carte que je peux jouer en main. Un Arcet. Ah, c'est fait plus. Mais ça compte pas comme du jeu. Non, ça compte pas comme du jeu. Je sais, mais c'est la seule carte que je peux jouer en main. Je vais faire son moins. Regardez le top 4, je vais révéler le nom de créature non lien. Ah, mais sont là les cartes jouables. On enlève son commandant, là. Fiche beaucoup. Je peux pas. Ça n'a rien que t'enlèves mon commandant. Il va toujours revenir. C'est pour ça que t'enlèves. Il va toujours revenir pour deux manes. Non, mais l'enlever, genre le transformer. On a fait de même, c'est correct. Ouais. Mais c'est parce que t'as deux ninjas qui attaquent. Ouais, ninja, ça c'était deux ninjas, fait que j'ai deux triggers. Je vais révéler un site. C'est les triggers de ninja. Ninja seulement. Mais mettons, on veut juste ça sur ton commandant, t'arrêtes de repiger des vies en fou. Ouais, parce qu'il n'y a plus l'habileté de. J'ai l'impression que là, mon arcette va se prendre des gros coups. Tu peux tuer? On sait pas, non? Hey, je sais pas, hein. Pas, hein? Ben, je pense que oui. Avec sa carte, j'ai révélé, je peux pas trop la jouer. Donc, ça va être à quoi, Adam? Fin de tour, je vais cast un. Mais juste comme ça. Il n'y avait aucun land dans le top 4. J'ai bien fait. Je vais te couper en deux mon commandant. On va voir une copie qui va avoir une utilité stable. Je vais me ramasser. Je vais en deux. Ouais. Que je vais faire deux red. Fait qu'il va aller. C'est un L. Ben, je coupe. C'est celle-là que je coupe. Non, c'est,
C'est rendu un L. Tu fais un L 3-3, tu fais deux L qu'un 1. Ouais. Mais ça dit-tu que tu le tues, celle-là? Fait que ouais, là, tu vas tue. Quand même le tuer, mais tu vas avoir deux L qu'un 1. Tu penses? Ouais, il va aller dans ton graveyard ou dans ta commande. Tu vas le récupérer, mais tu vas avoir deux elk. Tu vas avoir deux elk. Parce que présentement, s'il est rendu un elk. Ouais. Mais puis, tu récupères ton commentaire. Oui, c'est louable. Ouais, c'est pas, très bien. C'est pas un mauvais play. C'est pas un bon play, mais c'est pas un mauvais play. Ouais, ok. Fait que deux elk. Deux elk. Il y avait quand même aucun dans le top 4 de ma librairie. J'ai bien fait. One Narset. Il y a, il est le graveyard. Ça vient de quel site, ça? C'est Infinity. La cherche, je pense que c'est pas, mais c'est legit, ça. Oui. Ouais, c'est une des rares qui a le logo en dessous, et c'est pas un acorn. Tu l'as trouvé où, ça? T'as dû être un set d'Infinity pour trouver des cartes jouables, quand même. Ça s'appelle Face à Face ou eBay. Celle-là a vraiment été populaire. Vraiment... Oui, parce qu'elle est combo avec. Duel Castle Mage. Duel Castle Mage ou. Doxat Extorsionniste. Tu le coupes en deux, tu te fais licher le trésor. Je fais à cause de ça. Je sais pas si ça va changer. Ah, quand même. Pour une partisane, j'ai pas regardé plein de petits blocs, là, mais. Jouer Swamp pour le tour. Jouer. J'ai pas de cartes. Après les Falklands, c'est la seule carte qui voulait quoi. Je sais. Ouais, il y a Planeswalker chien que j'aime bien dans le deck avec. Planeswalker chien qui. Je pense que c'est légal. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, il y a un Planeswalker chien astronaute dans Infinity. Je sais pas si c'est illégal. Benjamin. Parle le chien. Tu ne pas me frapper, s'il te plaît. Je peux pas ne pas te frapper. Bon, Narset prend combien? Narset va prendre 3, toi tu vas prendre 4. Narset est mort, mais a permis de comme. Ouais, je sais. En plus, elle est bien utile, je crois. Dis-moi le code de ta librairie pour le fun. C'est bon. Présent. Tu peux la laisser en exil. Peux-tu pleurer avant? Non. Memphis 2. Attends, j'ai une horrible personne. Oui, je sais, je fais ça dans la vie. Je vais au cast le 10 tout à l'heure. Tout le monde avait vu venir. Ça passe? Oui. J'aurais gardé une main de land et d'un canary pour 4 tours de pas de rap. C'est ce que c'était vraiment ça mon début. De... Non, ça, ça nous a pas aidé, je te dirais. Moi, j'ai gardé une main. Je vois Yuriko faire des dommages. Moi, si j'avais discarté mon seul ring, je vais chercher avec mon gamble. Je pense que j'aurais juste pleuré en boule pour payer. J'ai vraiment gardé une main de laine avec Kenry. Il y a pas d'autre chose. Un champ de créature, mais j'ai gardé ça parce que je savais bien trop qu'il y avait un de bonheur. Je perds 4 vies. Je vais attenter de réanimer Vendor 5. Je vais le mettre ici sur le stack. Puis je vais. Ça c'est ici. Ça c'est ici. Puis qu'est-ce que je peux faire d'autre, Main Phase 2, les amis? Pleurer. Non, tout de suite. Un, deux, trois, quatre. T'as pris 4 ans, tu m'as dit. Je vais le faire pour ça. Je vais le faire pour ça. Bon. Main Phase 2, perdre une vie. Caster un 0-3 Defender. Yep, tout le monde perd une vie. C'est une détente, en tout cas, c'est un insensé. C'est un insensé. Puis un trésor pour caster la carte lyrique. Un Creeping Blood Sucker. C'est bon, ça? Oui, c'est ouais, très bon. J'avais trouvé ça très bon dans le monde. Je l'ai rentré dans la clique. Pas sûr. Et comme nos brains, je sais pas. Ouais. Oh.
Ah, c'est round up. C'était des 2-2. Le tout 2. Ouais, c'est parce que ça avait changé mon vie. Là. Bon. Bah, c'était des 2-2. Et... C'était le 2-3-3. C'est une 3-3. Un et demi. Ah, c'était un 3-3. Ça montait à 2. Ouais, fait qu'il faisait 4 au lieu 4. De... Ouais. Ben, je me suis pris 2 dommages en plus. Hein. Ouais. Je trouve que ça fait assez tiré. Bon, on peut faire quelque chose. Là, t'es tour 5 avec ton commandeur, là, ça fait beaucoup de choses. J'essaie de faire du contrôle avec du rouge et vert. Je vais jouer un rune sur le. Voyons. Je vais mettre plus proche de l'emplacement. Mathieu, comment je fais pour mettre ça full screen là? Il n'est pas là, Mathieu. Ça se fait. Bon. Fait qu'on pige une carte. Tu piges une carte. Je pige une carte. Parce que ah, pendant et... 2 secondes, je pensais que je pigeais une carte. Là, j'aurais dû laisser ton arsène. Ah. Bah, pour vrai, c'était bien correct. Là, en ville, je voulais juste. Je sais. Je cherche des cartes. Là, quand je suis désespéré, je vais chercher un refill. Oh, tu n'avais pas gagné la pige. Ben, j'avais, pour être honnête, j'avais tellement le choix que j'avais aucune créature, aucun land dans les affaires que j'avais. Et tu peux pas chercher de l'aide de créature de toute façon. Justement. Quand que ça rentre en jeu. Mais je voulais être créature. Quand que c'est l'attaque, oh. Ça fait un plus 1, plus 1. Oh. Parce qu'il y a 3 counters, je sacrifie ça pour aller chercher 2 basic. Là. C'est dans Barbary Tiger. C'est bon, tu vois, c'est Barbary Tiger. Ça fait. Peut-être le sacrifie. 4, 5 à l'attaque. Automatiquement, fait qu'il faut ça. Mais par exemple, c'est maximum 3 ce qu'il va devoir être caché. Il va quand même faire un peu de l'impé en fou. Tu peux pas. Non, lui, il meurt, sacrifie pas. C'est when you sacrifice. Ça prend 3 contre 1. Ok, ok, ok. Fait, tu peux pas le cheater. En, non, tu peux pas le cheater. Okay. C'est juste que ça bouffe à l'attaque. Okay. Les deux. Mais quand. Quand tu meurs, en théorie, l'aura est sacrifiée. Détruit. Non, détruit, c'est pas sacrifié. Non. Okay. Sacrifice, c'est toi. C'est toi. Lui, ça fait le counter sur lui, ça le fait pas sur la copie. Parce que la copie, elle rentre en jeu attacking. Ça, c'est quand t'attaques. C'est juste pour c'est juste un boost. Là. Dans le fond, ça serait une à couper, ça, tout, je pense. Ouais. Plus je l'en loue, là. Moins qu'il est bon. Moins qu'il est bon. Effectivement. Fait qu'on va y aller pour faire un combat. C'est qui t'ouvre aux attaques. Moi, je suis gentil. C'est bloqueur, toi. Parce que ça fesse de 5 puis tout un 6. En fait, tu lui fais beaucoup de dommages. Ouais. Il y a monsieur Yuriko qui pige 4 cartes partout. Ouais, c'est ça. Il y avait un. Ouais, ça va être commandant. Ouais, c'est pas trempeur. Mais tu auras ta copie qui peut attaquer en même temps. Oh, oui, il y a les deux qui attaquent. Là. Je tiens juste à dire que le prochain tour, on a 6 mana pour casser un extra tour. C'est vrai, ça. Je pense qu'on est dans qu'il y a en main. Ouais, qu'il y a en main, qu'on a vu. Je pense qu'on n'est pas très en vie. Fait que c'est combien? Fait que ça fait 5 sur le trigger d'attaque. Ici, c'est 4. Quand ça rentre en jeu, je pige une carte. 5 puis 4. Fait que je mange 9. Je mange 5 pour l'under damage. C'est tranquille, ça, ce game-là. Il y a une partout. Mm-hmm. Bientôt. Tu as un compteur plus un ça? Oui, tout à fait. Ouais. Je vais mettre un. Je pense pas. Soin. Et après, je vais juste mettre une storm, deux affaires vraiment chères sur le top. Puis... Je vais aller boire avec deux ninja 1. Attends. Ah non, tu mets deux ninja 1. Deux. Deux très gars, il n'y a pas de brainstorm. Brainstorm? Et là, tu prends. Et là, tu l'ajoutes à la main, tu aurais pu répondre avec. Ouais, mais. Mange pas 5. Ouais, fait que manger chacun 5. De toute façon, ils attaquent à son prochain tour. Exact. Je vais taper ça. La route d'Epiphanie. Je vais jouer d'Epiphanie. Et ça dit, hein, ça. C'est créateur. Je fais 2. Tu peux. Deux petits bird tokens.
pour pouvoir attaquer avec du flair. Ouais, c'est quasiment le extra turn du Yuriko. Il est exilé, par exemple, toi, tout. On peut pas le casser. Il, a, il, a ben, il est fortel, mais rendu là. On a remarqué que. On est infinite, hein, quand le extra turn il... Ouais. Ouais, exact. On a l'impression de tuer. Fait que extra tour. Là, il y a Brainstorm en main. Là. On est pas dans le mort. L'approche du tour 7. Je vais retourner de voir avec deux très gueules. Ouais. 2 plus 2. Ça fait 17. Soldrin. Ouh! Vous mangez 16 chaque, man. Vous mangez 5. Ouais, je sais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu fais qu'un spell la même. C'est juste pour ça. C'est pas pour, pour le casser, c'est ça. You arrive, t'entends? 13 plus 2. Alors, il y a un petit peu ça. J'ai essayé, puis j'ai des cartes. Oh, tu casses jamais cette carte-là. Je vais. Non, mais la remets sur le top. Taper un, je vais mettre un soleil. Oh, est-ce que t'as pris le. Ouais, mais j'étais à 1, 2. On a pris 16, fait que j'étais à 3. 3, 4, puis tu manges à 2, toi. Tu sais, j'ai pris. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5, 6, 7. Nexus, ça fait. Ah, ok. On va laisser aller avant de venir nous tuer. Ah, autre game, autre revirement. Très bien. Ouais, GG. C'est pas fun. Yes! Ah, je me serais amusé, moi. Juste pour le fun des deux prochains Tiger Yuriko. 4. 5-6. Puis j'avais. Non, mais tu fais ça. Tu mets ça. Laquelle autre? Un Dark Sword. Non, moi, j'avais pas vraiment. Moi, j'aurais fait Ding Song into Unexpected Windfall, puis j'ai des cartes. Mais elle, elle fait mal. Ouais, si je avant, j'avais Draco. C'est le dragon à 16. Puis je l'ai changé pour elle. Parce que Draco, quand ça arrivait que je l'avais dans les mains, c'était fini. À moins que j'aie un scroll rack pour la remettre sur le top ou de quoi pour la remettre en haut. Tandis qu'elle, si je l'ai dans les mains, peut-être qu'à un moment donné, si j'ai rien à faire, je peux la caster. T'sais. Draco est 16 colorless. Oublie ça. Mine de rien, ça peut être. Facilement pour. Ah, mais... Pas dans chair de Vixa, ça peut être quand même une 7-7 pour deux. Ouais. Pas grave à avoir. Non, c'est juste chiant de pas avoir eu le trigger du coup là-dessus, mais. Ouais. T'as fait ça. Fini ça? C'est fini. Les extra turns ont eu raison de nous. C'est qui a gagné? Yuriko. Yuriko, ah! Extra turn. C'est pas Yuriko, c'est extra turn. C'est... Oh non, c'est, le... c'est un bon casting cost de direct dommage. Ouais. Mais c'est fort, Yuriko, là. Faudrait que je me le reflasse, je le repense. Ah, il est fun à jouer. J'aurais les cartes pour. Qu'est-ce que j'aime bien avec Yuriko, là, tu sais, il y a trois cartes dedans, trois enchantements qui font en sorte que justement toutes tes créatures deviennent des ninjas. Puis j'en ai même pas eu de la game à part, tu sais, dans les top 2, mais c'est rempli de petites 1-1 imbloquables. Fait que quand t'es capable d'avoir ça, justement, tu sais, c'est souligné avec tes 1-1 imbloquables qui c'est juste rendu des ninjas à cause de tes enchantements. J'avais joué à un moment donné une game avec Vincent, mais non pas que j'avais fait comme ninja là-dedans, mais j'avais réussi à avoir 14 tokens à 1 en même temps que Vincent. Puis après ça, j'avais fini avec mes 14 plus toutes les autres, puis j'avais Cove, je sais pas trop quoi, ça fait en sorte que tout est des ninjas. J'avais genre 16-17 triggers du Rico, mais ils m'ont fait comme GG. C'est fini. Après, ce que j'avais dans le. J'ai mon signature. Mais mon record, c'est vraiment mon mec de luge sur Time Stretch, je pense, qui prend 2 extra turns. 6 extra turns, la personne va regarder là. Non. Il n'y a rien d'autre à dire que non. 6 extra turns. Mais mon deck est lent à partir, hein, quand il part. Là. Ouais, mais ça, il faut qu'il puisse partir. Non, c'est le 15 de moi dessus. Ben là, il était arrivé de bonheur, mais j'ai gardé une main avec Catherine. C'est ça que des fois tu sortais trop vite. T'as les premiers removals sur toi. Puis j'avais bien avec des lèvres.
Moi, t'aurais bien beau avoir Canerit ça de toute façon. Je me serais fait souvenir, j'aurais bloqué un même un tour plus tard. D'habitude, on ne swing pas le gars qui est Canerit. Du moins, tu swing avec le fly. Mais ouais, je l'ai fait. Mais je l'ai gardé juste. Pris quand même 4 entre 2. Puis j'avais 4 planètes en main. Je pense que t'étais pas trop loin. Canrit, non plus, c'est quelque chose que j'ai dit. Si je pige un accélérateur, ça va être pas pire. Sinon, ça va être une laine partout. Mais c'est sûr que Canrit va aller bloquer. Comme de fait, j'ai vu le manavant. Je fais. C'est sûr qu'il y a un frère qui fait des dommages. Ton père, on a 6 flingues qui arrivent. Puis plus toutes les autres créations qui arrivent après. Payant de vie. Non, on va être ça. Tu joues. Puis comme de fait, tour 2. Tour 2. C'était bon. C'était bien. Mais après, c'est moi, j'avais pas d'autres jeux. Là. C'est ça qui. J'ai pas. C'est le Benjamin qui me l'a. C'est ça, c'est le match. Non. Un début plus comme défensif. Ouais, ça, c'est pas un. Là, t'as pas bien sorti, là, d'un coup, tu. Des fois, ça va bien mieux.